Daniel Cohn-Bendit, très bref, vous poser une question, il va vous la poser tout de suite. Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux Monsieur la gagner. Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous jouons pas à la comédie. Va te faire voir. Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. J'ai pas de question, je fais pas très du touche-touche comme ça. C'est très aimable. On s'est toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Voilà. C'est toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer. Je vois qu'il y en a qui sont à gauche. Mais moi, je vais te le dire. Non, mais tu peux pas être savoir. Mais parce si, que j'ai lu le programme, bon sang, Daniel, tu l'as pas lu. Écoute-moi, j'ai fini. Et quand toi, tu dis modem, je veux m'en expliquer avec toi, on en parlera tout à l'heure. C'est toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer. Dis, ne parle pas d'enthousiasme. S'il l'a dit à l'instant, on ne peut plus te regarder comme une vache sacrée. C'est toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer. Je suis pas d'accord avec l'analyse que tu fais. Tu dis, c'est la même chose qu'à ça. C'est non, une erreur. Je termine juste sur un autre point que tu as évoqué. Est-ce que t'es toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer. Alors, par exemple, là, tu as donné un argument, Daniel Cohn-Bendit. Je ne sais pas si on se tutoie ou on se voit. Ah, mais tous ceux qui veulent me tutoyer me tutoient, et ceux qui veulent me vouvoyer me vouvoient. T'es toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer. T'es toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer.